Thank you. Donc Olivier Gessler fait ce marathon dans le cadre de ce qu'il appelait Ralph Tigre. C'est en français couru par les enfants, pour les enfants, qu'il fait depuis plusieurs années. Et il est à la cinquième édition. Donc il fait cette course donc, pour collecter des ressources. Pour appuyer des projets pour les enfants en situation de vulnérabilité, mais il le fait également aussi pour sensibiliser les populations, les autorités de l'État sur la problématique de la migration des enfants, notamment c'est ce qui passe pour tout. Oudou, je t'engage pour être mon soigneur. T'as trouvé vraiment la bonne formule. Rafraîchir le corps du toubab. Ouais. C'est vraiment très, très chaud au cœur d'avoir un accueil pareil, de voir que toute la population s'est mobilisée pour la cause des enfants. Bien sûr, le défi sportif, c'est juste un prétexte pour mieux parler de la protection de l'enfance. Moi, je suis vraiment très touché de voir tous les efforts qui ont été faits ici, comme vous l'avez si bien expliqué. Au niveau local, appuyé par ENDA. Et je sais que les jeunes ont aussi un grand rôle, parce que souvent c'est aussi les premiers remparts pour la protection de ces enfants. Merci aussi bien sûr à vous l'exécutif et au législatif. Ça montre que c'est une mobilisation générale pour la cause de la protection des enfants. Comme vous dites, c'est un travail en synergie ici entre les acteurs, mais aussi avec les collègues de la Guinée-Bissau. Je vois qu'ils sont déjà arrivés.
chaud là. Elles sont étanches quoi. Ce qu'on motive, surtout l'olivier, vraiment c'est la fierté vers les enfants. C'est ça qui motive, je pense, pour chercher ou bien pour faire un appel à la société civile, particulièrement à nos états du pays, vraiment à regarder, à voir les enfants, porter leur soutien aussi pour les enfants. En mobilité, les enfants en difficulté surtout. Moi aussi, je ne peux pas, en tant que caisse-au-cœur, en travail social, je ne peux pas m'arrêter vers cette opportunité que je peux aussi contribuer pour que nos enfants puissent sentir un intérêt que nous sommes en train de les apporter, quoi. Thank you.
Maintenant, tu fais pas aussi 100 et quelques à la fois sans s'arrêter. Hein? Ou même tu fais 100 et quelques sans s'arrêter. Kilomètres. Sans la nuit, tu dis? Non, non. Courir 100 et quelques kilomètres. Ah, sans que tu t'arrêtes. Mais pour manger quand même. Et boire. Ah, d'accord. Juste pour manger et boire. Ouais. Kilomètres. 50 km. Oui. Tu viens de l'abbé? Non. Oh, il fait 50. Ah. Il veut faire 50, il va aller au village. Ah, d'accord. Le village, c'est où? Guémé. Ah. Je fais ça demain, 50. Demain soir, 50. Demain soir, tu vas faire 50. Ah, oui. Demain soir? Oui. Mais tu fais tous les jours ou bien tu fais? Tous les jours. Tous les jours? Oui. Il est fort, hein? Moi, s'il était là, je le petit, là, il n'allait pas parler. Parce que lui, il parle de 50 kilos, il parle de 6 kilos. Comment tu t'appelles? Mamadou Boy. Mamadou Boy, Ba. Diallo. Mamadou Boy, Diallo. 300 mètres. Voilà. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Le climat était parfois un peu difficile. Aujourd'hui, c'était un petit peu mieux. Parce qu'on est sur les plateaux, un petit peu en altitude. Donc ça allait très bien pour finir ce défi, ce quadruple marathon. Ce qui était vraiment super surtout, c'était cette coordination entre tous les acteurs qui m'ont transféré d'un pays à un autre, les activités de sensibilisation, les rencontres avec les autorités locales, avec les enfants, avec les jeunes. Donc là, je pense que c'est un objectif qui a été rempli. Le défi sportif, c'était juste un prétexte pour parler de protection de l'enfance, de la vulnérabilité de certains enfants qui sont en situation de mobilité, avec un message assez fort où finalement la protection de l'enfance, la responsabilité de tous. Et je pense que ça, c'est un message qui a passé à travers les quatre pays. Dans les trois langues, le français, l'anglais, le créole portugais, mais aussi dans les langues locales, je pense. Donc je suis très satisfait de cette belle aventure. C'était d'abord une aventure humaine avant d'être un défi sportif, même si je suis très content d'avoir pu enchaîner ces quatre marathons dans des zones où j'ai pas l'habitude du tout de courir. Ça m'a fait plaisir de courir avec toi. Ouais. Merci. Bonne continuation. Les photos. On ne sait pas, peut-être demain dans 5 ans tu seras un champion d'Afrique. Hein? Damien Assiwa, au pouvoir, Yéona Yet. C'est là qui est trop.
yende kolo enanga.